Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 8 juillet 2021. Nous comptons avec toute fanatique, un ami, Tivila Kanyo. Et pour nous continuer à informer sur l'actualité en Haïti, surtout dans le moment là, eh bien, c'est l'actualité au Chita par rapport avec un gros acte criminel ça qui fait sous président Jovenel Moïse, qui c'est premier chef pays d'Haïti. Et qui est même assassiné par un groupe mercenaire, et selon, eh bien, tout ça nous vient comme information, et selon ça nous est tout, eh bien, la police, mais la population, ils ont fait un seul, et en plus là-dedans, tombé en bas code, et gagné tout qui arrivé, perdu la vie, dans échange coup de balle avec la police. Nous pas parler trop, nous pas l'inviter à entendre. Et premier ministre Claude Joseph, qui est même pral, eh bien, by population, dernier espoir qui gagne dans le cap mené là pour ta fin mari, tout nex qui inclut dans Zak assassinat qui fait sous président républicain, monsieur Jovenel Moïse, qui jeune jeudi à la soudo, eh bien, madame lui-même bien mal et a pris soin dans le pays étranger. Tout détail, vous êtes connecté sous vidéo, guys, n'apprécions-nous très bientôt pour une prochaine. Les informations qui sont dans la source officielle. Dans le souci pour nous permettre que le président Jovenel Moïse vienne justice, que la famille vienne justice, le gouvernement à toute la police là nous mobiliser. C'est ça que fait nous sommes capables de constater que assaillants ont commencé à prendre l'un après l'autre. Mais ça, là-dedans, qui est tombé en échange avec la police. Nous voyons comment la population elle-même est mobilisée pour le permettre que nous joignons à Saïens Sayo pour qu'ils répondent à ce qu'ils font devant la justice. Population haïtienne, frère Maxime, m'a demandé nous pour nous intelligents, les nous prenons pour remettre la police. Parce que si il y a un bagage qui passe, nous ne connaissons pas si on mourit dans mes noms, par exemple, nous ne connaissons pas ce qui passe. Il faut nous connaître qui la motivation qui est derrière nous. Qui sortit côté de nous. Qui est entré comme président,
ont assassiné lâchement, ils ont blessé Madame Lee, qui fait que Jodia, heureusement, condition santé stable, la prend soin dans l'hôpital aux États-Unis. Nous n'avons pas qu'à quitter Zaksa passer comme ça. Et nous voyons comment la population est mobilisée. Seul ça l'a dit tout le monde, rentrer la caille. La police là, elle a gagné une situation sous contrôle. Pas quitter les fraudeurs en nos troubles. Ou du moins de monde qui a profité de la situation ça pour faire des ordres. Alimenter nous pour nous faire ça, nous va le faire. Donc on est que la population haïtienne est intelligente. Quelle que soit la différence que le monde a gagné avec le président Jovenel Moïse, tout le monde est d'accord dans la population hein, que nous n'avons pas qu'à assassiner le président en fonction de la condition ça. C'est peut-être ça, la demande des populations. Identifier yo, nous d'accord. Mener par la police, nous d'accord. Accompagner la police là, nous d'accord. J'ai commencé à faire là parce que c'est la police là qui a arrêté mon yo, qui a pris yo et ça lui tombe. Mais des autres là, ils pas là-dedans. Pas quitter aucun monde. Fait nous gagner une situation qui confuse. Depuis hier, Conseil ministre, CSPN sous deux pieds, nous avons une situation sous contrôle. On continue comme ça. Pas quitter le monde, faire des autres. Pas attaquer le business monde. Président Jovenel Moïse a vu une justice. C'est ça que fait là. Président Jovenel Moïse a vu une justice. Madame petite, président Jovenel Moïse a vu une justice. C'est la seule garantie que nous avons à la population. Et l'autre garantie que nous avons à nous, c'est que CSPN travaille pour la sécurité à pays. Mais nous avons besoin de collaboration tout le monde dans la population, tout grand citoyen et citoyenne. Nous avons besoin de collaboration, toutes amis, frères et sœurs qui sont en position politique. Là. On a commencé à parler avec quelques de nous. Moi, je pensais que c'est un bon début que je parle avec quelques amis, quelques frères et sœurs dans l'opposition. Je continue à faire appel et je continue à rencontrer en pile de nous physiquement. Parce que je pense que ce moment ça, c'est un moment de fraternité pour lui. C'est un moment qui est décisif dans l'histoire du peuple haïtien. Ça nous vivons là, assassinat du président de la République, génération qui devant dans la bande journaliste, les gens qui derrière nous là, je propose Jean-Pierre. Un président de la République en fonction, en dans la caille, un groupe de monde fini au assassinat. Je demande nous un appel au calme. Je ne peux pas dire ça plus encore que la police nationale, que l'armée pays a gagné une situation sous contrôle et n'a travail pour nous. Continuer avec la population, qu'est-ce que la situation ça, comme ça, parce que l'objectif là, c'est bailler le pays à sécurité, l'objectif là, c'est permettre aux familles, amis, alliés, président Jovenel Moïse, de la justice. Je passe au directeur de la police là, qui va nous donner plus de détails sur l'opération qu'a fait Tio, et je dis à, depuis hier d'ailleurs, pour nous capables de qu'aimer assaillants qui commettent crime, nous connaissons le commettre. Merci.